marche plus avec les téléphones. Est-ce que je peux mettre ça éventuellement sur la bouteille ? Voilà, là normalement ça devrait fonctionner. Il n'y a personne. Si, il y a une personne. Ouais, j'espère que ça marche bien cette fois. Je fais avec mon téléphone pour aujourd'hui. Je faisais avec mon PC, puis finalement, bah, ça fonctionnait pas. Donc voilà, la box, ça faisait... Du coup, bah, pas de live ASMR ce soir, mais un live tout à fait classique, finalement. Mettez des commentaires juste pour que je vois si je peux les recevoir. Juste mettez un point ou une connerie comme ça. Hop. Ah, si j'ai vu. Oh, putain, je vais devoir les lire avec. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Oui. Ah, comment est-ce que je peux voir? Si je peux, il n'y a que un commentaire, vas-y, mettez des commentaires. Qualité vidéo, beaucoup mieux. Oui, ça marche toujours mieux que le téléphone. Bah, on va continuer avec le téléphone, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on fait un vrai live. Là, c'est un vrai live. Ça va, mec? Oui, ça va, et toi? Il est 21h44, ça fait 40 minutes que j'ai envie de commencer le live et ça marche toujours pas, donc là ça marche, ça fonctionne plutôt, pardon, le vrai français. Pas d'ASMR dans ce live, non, parce que je suis avec mon téléphone et que je peux pas brancher mon micro dessus. Du coup, pas d'ASMR, non. Ça va la famille, tout ça, un lag de plus, grave à me. Merci mec. Ah, rip. Ouais, rip la connexion, ça marche plus. Vous devez entendre le vieux bruit de mon doigt là. Bon, c'est live détente hein, ce soir, on va pas faire compliqué. Mais. Bonne soirée chérie. C'est à moi que tu parles comme ça. Ah, 10 visionnages. Je suis content qu'il y ait 10 visionnages. Hein. 10 visionnages sur 1600 abonnés bientôt. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, ça fait même pas 1% je crois. Si, ça fait totalement... ouais, non, même pas 1%. Lol, t'aurais quand la fibre MDR? Ben, en fait, je crois que je l'aurais pas. Tout simplement. Comment allez-vous, mademoiselle? Ben, je vais très bien. Qu'est-ce que tu es beau, OMG? Ouais, je sais, je suis trop beau, moi. Je suis extrêmement heureux de faire ce live. J'espère que j'exprime ma gratitude envers ma connexion à travers ce magnifique live hein, qui est tout à fait magnifique. C'est vrai, il est beau. Ah bah oui, je suis beau, c'est sûr. Je suis totalement beau. N'hésitez pas à mettre des petites questions, des trucs pour faire vivre le live et mettre un petit like. Hein. Vous êtes 8, il y a 3 likes. C'est pas normal, ça, c'est pas normal. Vous êtes 9, il y a 3 likes. C'est pas normal, vous devrez être 9 likes, 10, vous êtes 10. Je suis... Hein? Voilà, vous êtes 11 maintenant. Et vous êtes beaucoup, hein? Je vous rappelle qu'on est 1500 abonnés.
11. Waouh. Moi, j'ai 1 mo seconde maximum. Chute, s'il vous plaît. Comment vas-tu? Je vais très bien. 1 mo seconde? Ah, ça fait pas beaucoup, hein. J'ai 500 kilobits par seconde max, donc chute. Ah, mais comment tu fais pour jouer à Fortnite et tout? Ça doit laguer de ouf. Même, enfin, moi je crois que je suis à 20, 26 mégabits seconde, et t'as vu ce que j'arrive à faire en live? Tout simplement, j'arrive pas à faire des lives. Je suis pauvre. Non. À mon avis, tu dois habiter dans un trou paumé comme moi. MDR, salut, salut lecture ASMR. Pourquoi tu m'as dit que le live fonctionne enfin? Pourquoi tu m'as dit? Ah mais. Eh mais je sais qui c'est ça. Parce que le live fonctionne enfin! Mais il fonctionne que sur le téléphone et j'aurais bien voulu qu'il marche avec de vrais micros, tu vois, pour faire du vrai ASMR. Que fais-tu dans la vie? Je suis étudiant. Je fais de la vente. Mais en vrai, je suis youtubeur, tout simplement. Bonsoir, bonsoir. Salut. Salut, salut, petit BG. Salut, salut, Xenosis. Quel âge as-tu, Titouan? J'ai 17 ans et demi. Coucou, Réré. Salut à toi. Tiens, regarde. On va faire genre. Ça marche pas, tout simplement. Ouais, c'est la fête. Et t'as vu, je suis en noir et blanc. Et t'as vu, c'est la fête. C'est la fête. Alors, c'est Chut, rien, chute, arrête tes conneries. Rien ne va plus, rien, rien ne vient plus. Oula, là, il y a eu plein de trucs. Tu dis te poser des questions. Tu dis de te poser des questions, moi j'en pose. Oui, tu t'as bien fait d'en poser. Putain, on a le même âge, j'ai pas de barbe, je dois pleurer. Non, non, c'est bien aussi de pas avoir de barbe. Lecture ASMR, des petits smileys qui sourient. Tu t'appelles Aurélien ou Titouan? Je m'appelle Aurélien. Tu nous fais de la tectonique? Oui. Je peux la refaire hein, si vous voulez. Attention. Alors, c'est tu sais plus comment c'est tectonique, c'est. Je sais plus le pas de danse, c'est. Ça. Team Tectonique, mon gars. Il s'appelle Tyrolien. Titorien. N'importe quoi. Tu sais pas lire ces titres? Ouais, c'est la preuve. Et en fait, quand j'étais en CP, ils m'ont pas appris à lire, ces bâtards. J'ai rien. J'ai bien fait de rejoindre. Oui, tu as bien fait. Tu es toujours aussi fort à Fortnite. Je suis un petit peu plus fort qu'avant, mais c'est pas de ouf. Hein. J'y joue pas mal pendant les vacances, mais mon niveau est pas extrême. Hein. Faut passer ses bras au-dessus de la tête. D'accord. La gênance, on t'aime quand même. Oui, vous m'aimez. Vous me dites que vous m'aimez, s'il vous plaît. Vous êtes 18. 19. Vous êtes 19. Je veux qu'on atteigne au moins 30 visionnages avant ce soir, s'il vous plaît. Hein? Et 30 likes. Allez-y, foutez des likes, bordel. Comme ça, on va les atteindre, les 30 vues. Alors. Bonsoir, bonsoir. Oh putain. Kalilou Kouata, j'adore ta photo de profil. Salut, salut. Je déco, ciao, bye, cimer, les rails. Je déco, ciao, bye, cimer, les rails. Et qu'est-ce que. Pardon. Est-ce que tu peux mieux te cadrer? C'est trop galère sur ton tel. Ouais, c'est galère. Là, si tu veux voir le magnifique. En fait,
L'autel, il est posé juste là. Donc, comment te dire? Alors, si je devrais me cadrer dans les règles de l'art, je ferais comme ça. Mais sauf que je dois être près du téléphone pour pouvoir regarder les messages. Fais-nous une boulette de crotte-de-nez. Oh non. C'est top, Vitel, TNTC, ouais. Putain, mais apprends à lire. Apprends à lire. On fait des débats. Ah, mais c'est quoi cette photo de profil? Tu as les cheveux tout noirs. On dirait la meuf qui chante dans Evanescence. On fait des débats? Oui. Tu voulais? Allez, un petit ASMR, MDR. Bonjour à tous et bienvenue dans cet ASMR. Bonsoir. C'est nul, hein? Moi, je dis vive la Gaule. Vive la Gaule. Oh, ce biceps. Gréco-romaine. Ouais. Non, ça endort pas, ça. Ah non. Le muscle. La musculature. Jean musclé du tennis et de l'espace. Ah là là. Gros blanc. Vous connaissez les gros blancs? Eh ben voilà, ça donne ça. Je suis plutôt un blanc maigre, moi. Tu as compris la blague? Je veux mourir. En vrai, je... Ah ouais, tiens. Je viens de voir le film ça, le dernier. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Pudeur et l'étau chrétiano-grolloise. Mon nouveau pseudo, Jean Musclé du tennis de l'espace. Oula oui, cette montée de testostérone. Oh bah oui, la montée de testostérone. Oh, on est à 21. Non, pas encore. Oh. 20, nous sommes 20. Nous sommes 20. Vous êtes 20 sur 1575, je crois. Je suis le gars qui t'a contacté sur Insta. Ah, oui, je t'ai répondu d'ailleurs. Je sais pas si tu m'as répondu, de toute façon, je peux pas aller voir sur mon Insta, parce que là, si je quitte l'application, je quitte le live. Donc ouais, si tu veux être modérateur du Discord, pourquoi pas, je sais pas. Le ratio nul. Oui, le ratio nul. Hein. Après, sur les vidéos, ça va, mais sur les lives, c'est tranquille. Hein. Oui, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Tes oreilles m'intriguent. Ah bon? Eh ben, regarde de plus près. Voilà, ce sont mes oreilles. Je me suis fait recoller les oreilles à l'âge de 11-12 ans, par là. Donc, voilà. C'est quoi ta marque d'eau préférée? Vitel. Et Kezak. Mais c'est de l'eau pétillante. As-tu déjà pris des laxatifs? Non, j'ai pas pris de laxatifs. C'est à quoi ça sert, putain? Je pourrais m'incruster sur un live un jour, pourquoi pas. Tu habites où? J'habite dans un bled paumé dont je ne dirai pas le nom parce que sinon je vais avoir des abonnés qui vont débarquer chez moi et ils vont niquer ma famille. Non mais ils vont pas, ils vont débarquer, ils vont faire ouais reviens, gnagnagnagnag. Non, je dis pas du tout où j'habite, jamais. J'habite dans la région centre. Vitel est supérieure à tout, oui. Elles sont genre trop parfaites. Ouais, je sais, mes oreilles, elles sont bien. Oui. Non, mais dans quelle région? Région centre. C'est quoi ton téléphone? C'est un Huawei P9 Lite. Marley, bonjour à toi, ça fait longtemps. J'ai reçu 4 notifications, j'ai rien compris, t'as un peu galéré? Non, oui, j'ai un peu galéré. J'ai fait un live sur mon PC qui a bugué. Donc ça, on a généré un deuxième. C'est un peu bugué, donc ça en a généré un troisième. Et puis là, j'ai coupé le live sur mon PC pour me mettre avec mon téléphone parce que ça marche beaucoup mieux. Hein. Mon PC à 700€ n'assume pas mon live, alors que ce petit Huawei P9 Lite à 300€ assume totalement.
T'as été à la Paris Games Week? Non, je n'ai pas été à la Paris Games Week. J'aurais bien aimé, mais sauf que j'étais même pas au courant que c'était là en fait. Et puis, faut aller à Paris, il faut se faire loger, tout ça. Je suis pas assez connu pour ça. J'habite en Belgique. Ah bah bonjour à la Belgique alors. Diabolo fraise, c'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi, mais moi si tu veux, je mange pas de sucre. Enfin, je mange les sucres camouflés dans les industries, machin et tout. Mais je rajoute jamais de sucre dans mes aliments. Je prends toujours compote sans sucre. J'essaie de manger que des fruits, que des légumes pas transformés, tout ça. Mais bon, bah, je suis obligé de passer par des aliments transformés parce que voilà, il n'y a que ça. Mais j'essaie de limiter au maximum et je ne rajoute jamais de sucre. Dès que je vois des produits sucrés, genre Nutella, gâteau, tout ça, je ne prends pas. Blackouille, bonbons, tout ça, ça fait au moins 4 ans que j'en ai pas bouffé. Tu habites vers où? Oui, j'habite vers la région centre. Tu as été à la Paris Games Week? Non, je n'ai pas été à la Paris Games Week. Louis Rio, tu veux sortir avec moi, Bélier? Bah non, pas trop, parce que en fait, je sais pas. Hein. Non, je veux pas. TG, oh, pourquoi t'en marques? Pourquoi t'en mets pas? Pourquoi t'en mets pas? Mange pas. Ah, pourquoi j'en mange pas de sucre? Bah parce que c'est pas bon pour la santé en fait. Je vais vous faire un petit cours qui va vous servir dans toute votre vie. Attention, professeur Aurélien, lunettes à la main. Je vais vous expliquer ça avec mes deux narines et mes deux doigts. Alors, le sucre blanc, ou le sucre roux, hein, c'est presque pareil. C'est de la merde. En fait, quand tu le bouffes, ça acidifie ton corps et ça fout que des conneries dedans. D'accord? Ça fout juste un plaisir gustatif, mais après, à l'intérieur, ça fait de la merde. Par contre, les sucres qui sont contenus dans les bananes, dans les trucs, donc les vrais glucides, là, il faut bouffer ça. Mais les sucres blancs, c'est la pire invention de l'humanité. Ne bouffez pas ça. Et je me suis beaucoup renseigné là-dessus, c'est vraiment de la merde. Même si t'en manges un peu, c'est pas bien. Je vous empêche pas d'en manger, bien sûr, ça va pas vous tuer, mais juste moi, je suis très intransigeant là-dessus. Pourquoi le sucre, c'est pas mauvais? Si, c'est mauvais. Le sucre blanc, pas les glucides. Les sucres dans les fruits et tout ça, c'est bon. Ouba, bonjour, bonjour. Tu manges pas de sucreries? Non, je mange jamais de sucreries. Ça fait au moins plusieurs années que j'ai pas mangé de sucreries. Je prends note. Yes. On a besoin de sucre quand même, ça c'est ce que tout le monde. Oui, on a besoin de sucre, mais pas de sucre blanc. C'est-à-dire que tout ce qui est rajouté dans les aliments par les industries, tout ça, on n'en a pas besoin. C'est inutile, c'est nocif pour la santé. Par contre, les sucres naturels, là c'est les sucres qu'on a besoin. Mais ne croyez pas que le sucre blanc va vous aider. Ça va que vous en tirer des conneries. Alors, c'est pas parce que vous en mangez que vous allez crever. Mais ne vous dites pas que c'est bon pour la santé. Non, ça n'a jamais été bon pour la santé, le sucre blanc. Ni le sucre roux, d'ailleurs. Quels sont tes plats que tu manges le plus? Du poulet. Et du riz. Ou du... En fait, j'aime beaucoup la viande. Mais un jour, j'essaierai d'être vegan pendant plusieurs mois juste pour tester, pour voir comment vous vivez. C'est compliqué l'internat. Non, c'est pas compliqué, mais c'est long. Ah, le live fonctionne. Oui, il fonctionne. Ah, d'accord, tu m'as calmé. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, Dani. C'est sucette à Lani. Tu me fais culpabiliser de mes marshmallows. De mes chamallows, pardon. Boone. Je bouffe que des gâteaux, mais jamais de bonbons. J'ai pas été habitué à en manger et je compte pas en bouffer. Lol. Gâteaux, bonbons, c'est de la merde. Ça va pas vous tuer, mais c'est pas bon pour la santé. Sinon, ton année, tu penses la réussir? Oui, bah, je suis déjà en train de la réussir. Par contre, j'ai pas de stage. Ça, c'est un stage, je passe pas en terminale. Donc, il faudrait peut-être que j'aie un stage.
Ah, on m'avait fait cette blague, c'est fou. Oui, la cassonade, c'est moins nocif, je crois. Non, la cassonade, c'est moins transformé, mais c'est... C'est quand même nocif. C'est pareil, c'est du sucre. Ça, c'est ce que... Moi aussi, j'ai cru ça pendant des années, puis en fait, non. Le live ASMR est annulé. Oui, parce que je peux pas brancher mon micro dessus, donc sur mon téléphone, donc je peux pas faire de live ASMR. Ridinde, oui, ridinde, mais faut surtout manger beaucoup de fruits et beaucoup de légumes. Si tu bouffes des protéines, bouffe des légumes avec. C'est pas une blague, je t'ai reconnu, Danny. Danny? Danny? T'as une copine ou pas encore? Non, j'ai pas de copine. Je t'aime, bébé. Oui. Boone. Je comprends pas Boone, mais... Vegan égale perte d'argent, plus faible moralement, plus faible physiquement et plus avoir des problèmes avec son corps. Pas forcément. Mais quand je dis vegan, je pense aussi à bouffer des insectes et des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi pas? C'est l'évolution de l'humanité. De toute façon, on va tous finir à bouffer des insectes parce qu'il n'y aura pas assez de viande sur Terre. Donc voilà, mais j'aime beaucoup la viande. J'aimerais juste voir pendant quelques mois, voir qu'est-ce que ça fait d'être vegan, qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur corps. Sur tes dernières vidéos, on te voit beaucoup avec tes potes. Voudrais-tu faire une chaîne à part avec eux? Non, c'est sur ma chaîne. Il y a que des. Je fais des vidéos avec eux, mais sur ma chaîne. Et par contre, j'ai un pote. Qui a une chaîne et je fais des vidéos avec lui et même j'ai fait une vidéo avec lui sur sa chaîne également. Si tu veux aller voir, c'est Fourtou Production. Alors ça s'écrit comme ça se prononce Fourtou Production. Il n'y a pas plus simple. Et du coup, bah tu verras que j'ai fait une vidéo avec lui. Ah, je dois penser à faire un stage aussi. Toi, tu vas faire un stage dans quoi? J'ai essayé de faire un stage dans les banques, mais ça me fait chier. T'as une console? Oui, j'ai une console, j'ai une PS4. Il s'appelle pas Danny. Danny? Non, c'est pas moi. Tu peux utiliser les écouteurs? Non, je peux pas. Même si je les branche, ils marcheront pas. Bah alors, je suis mal. Ah, pardon. Bah alors, tu suis mal le programme des vegans? Non, c'est pas ça. C'est juste. J'aimerais bien essayer juste pour voir. Pourquoi? Quoi? Et si tu peux faire un rôle. Play prof de gamer pro. Alors mets ce commentaire dans les commentaires de mes vidéos et pas de mes lives parce que si vous avez des idées, mettez les commentaires dans les commentaires de mes vraies vidéos. Comme ça, je pourrais les noter. Mais là, je peux pas les noter. Tu regardes des animés? Ouais, je regarde. Là, j'ai fini. Dernièrement, j'ai fini Parasite. Oh là la pou. Oh là la populace. Oh là. Tu fais des dépressions par cause de tes nombres de vues. On a dû déjà te poser cette question. Non, je fais pas des dépressions, mais ça me fait chier. Merci, je vais check. Yes. Salut, salut. Est-ce que tu écoutes de l'ASMR? Oui, j'écoute beaucoup de l'ASMR. J'ai une chaîne d'ASMR. La saison 2 de Big Mouth, trop bien. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu, parce qu'en fait c'est ma série préférée Big Mouth, si tu veux savoir, et j'ai vu la saison 2, elle est bien. J'ai même vu la saison 1 deux fois, parce que en attendant la saison 2, j'arrivais pas à tenir, j'ai dû la regarder deux fois tellement j'avais besoin de cette série. Et voilà. C'est tellement prenant comme série, et tellement drôle. Être vegan, ça rend pas plus faible si t'as pas de carence. Tu peux compenser avec d'autres trucs, je crois. Bah, tout va bien. Oui, bah, tu peux survivre en étant vegan. Il n'y a pas de. Tu peux. C'est juste après, est-ce que tu acceptes que des animaux se fassent tuer ou tu n'acceptes pas? Ou est-ce que tu acceptes de manger un animal, un mammifère, ou est-ce que tu n'acceptes pas? Ça, c'est purement dans la tête. Trop bien, ouais. Tu fais toi-même tes montages de qualité. Oui, je fais moi-même mes montages de qualité. Ça fait 7-8 ans que j'ai commencé à faire des vidéos. Ça fait 7-8 ans que je fais des vidéos. Et que je fais des montages, que j'ai appris à faire des montages.
Et j'en fais tout le temps depuis 7-8 ans. Donc c'est pour ça que je me débrouille pas trop mal au niveau des montages. Hein. On va pas se mentir. J'ai commencé comme tout le monde sur Movie Maker. Hein. Après j'ai continué sur Camtasia. Ensuite j'ai été sur Corel Video Studio Pro X6. Après sur Corel Video Studio Pro X7. Non pas X8. Après je suis passé à Adobe Premiere Pro. Et là, voilà, parce que je faisais aussi un peu d'After Effects. Hein. Et là, ça a pété sa mère. Gérard, tes vidéos, trop bien, continue, merci. Mais on dirait qu'il manque un épisode. Si tu as vu le dernier, on voit pas le comment où il balance la sauce. Attends, c'était quoi le dernier épisode déjà? Dernier épisode. Oui, c'était quand. Avec le chat, là, je crois. Est-ce que petit on t'appelait Auré? Ouais, on m'a appelé Aurel, ouais, Aurel, Réré, Yin Yin. Fais un tuto montage ASMR. Pourquoi pas? Hey man, ça va? Oui, ça va et toi? Sherlock Dublade. Beaucoup présent dans les commentaires de mes vidéos. Je t'en remercie, John. Ou plutôt, Sherlock Dublade. J'ai extrêmement soif. Raison pour laquelle je vais boire. Ça fait du bien par où ça passe, comme dirait quelqu'un que je connais bien sur YouTube. Enfin, je connais bien, pas personnellement, mais que je suis beaucoup. Non, Riri, c'est moi. C'est quoi, moi Ouais, non, mais Riri, on m'appelait comme ça aussi quand j'étais petit. Hormone Monster, la rousse qui taffe avec le mec, ouais. Ah ouais, oui, c'est bon, je me souviens de la fin. Ouais, du coup, c'est devenu son Hormone Monster, c'est juste. C'est une meuf qui contrôle un mec, ça fait bizarre. Ça fait longtemps que tu as débuté le live, mais ça fait 27 minutes 15. Mais plus précisément, 1 h 30 parce qu'au début, ça buguait. Après, la bouteille va être vide et le setup tiendra plus la route. Ouais. Tu suis toujours The Walking Dead? Ouais, mais du coup, je me suis arrêté aux deux premiers épisodes de la saison 8, je crois. Donc, je suis beaucoup en retard, en fait. Et je vais devoir m'y remettre, mais là je viens de remarquer qu'il y avait la nouvelle saison de Daredevil, Daredevil, qui vient de sortir. Donc du coup, bah, je suis en train de me la mater là, en ce moment. Et j'ai pas trop envie de me mater Walking Dead. En fait, c'est difficile de m'y remettre à Walking Dead. Mais quand je suis dedans, après je suis dedans. T'es peinard là, t'as le gland tendu. Pourquoi tu dis ça? Tu as regardé Assassination Classroom? Je suis en train de regarder, mais ça fait longtemps que j'ai zappé en fait. Je me suis arrêté au milieu de la saison 1 et j'ai pas continué depuis. Je trouve pas ça génial, mais je trouve ça bien, mais pas au point où j'ai envie de regarder ça tous les jours. Quel est ton film de science-fiction? Mon film de science-fiction préféré, tu veux dire? Star Wars. Ah bah ça va, moi sur The Walking Dead, je suis saison 6. Putain mec, je vais venir squatter ton Netflix. Oh, la saison 9, elle est pas ouf vraiment. Ah merde. Marre d'être pauvre. Oh. Bah t'as un forfait 100 gigas. Merde. Je n'ai jamais vu Star Wars. Ah c'est con parce que c'est bien. La saison 6, c'est la dernière qui est bien. Ah ouais. Ah, faut que je m'y remette quand même, parce que j'ai envie de. Là, tu m'as redonné la foi en Walking Dead. Mais d'abord, faut que je finisse Daredevil. Daredevil, parce que je suis vraiment beaucoup dedans. Le vaisseau. Salut, mec. Salut, Rem Artiste ASMR. Comment vas-tu? T'as fait du sport? Ouais, cet après-midi. Même j'en fais tout le temps, de la muscu. Et de la natation aussi. Ça va? Oui, ça va et toi? Étant jeune, attends, t'as fait du sport étant jeune? Mais je suis jeune, j'ai 17 ans et demi. Donc, ah ouais, tu veux dire quand j'étais petit, j'ai fait 1 an de basket, j'ai fait 1 an d'escrime. Voilà, c'est tout. J'ai fait 1 an de synthé.
Synthétiseur, donc c'est pas du piano, c'était du synthé. Mais depuis, je suis autodidacte et j'apprends tout seul le piano et la guitare. Et ça fait, je crois, cinquième, quatrième, troisième, seconde. Ouais, ça va faire 5 ans que je fais la guitare. Merde, j'ai oublié le mot préféré. Oh. Ah ouais, j'avoue, les 100 gigas, ça fait du bien, ouais. Impeccable, bien, alors en vacances, vénard. Ouais, je suis peinard. Ouais. C'est pas un sport, l'escrime, MDR. Si, c'est un sport. Si, si, je peux te jurer que c'est un sport. Ah, le basketball, c'est ma vie. Hein? Salut, lecture SMR, content de que tu sois là. T'as raison, le basket, c'est la vie. Je faisais du basket quand j'étais petit, j'avais genre 6 ans. Hein. Je sais même pas si ma soeur elle était née, tu vois. Ah putain. C'est déjà ça faire du sport. Ouais. Mais là en ce moment je fais. Enfin ça fait 2 ans là, je fais de la muscu. Voilà. Muscle d'haltère et tout. T'as fêté Halloween? J'ai 8 ans en posant cette question. Je compte peut-être éventuellement le fêter. Bah en fait ça fait plusieurs jours que je regarde que des films d'horreur parce que je kiffe ça en fait. Hier j'ai regardé merde Freddy. Le dernier là, pas le vrai, un remake. Là j'ai regardé le remake de ça. Et puis j'ai regardé Saw 1, Saw 2. T'as une soeur? Oui. T'aimes bien la castagne? Oui, j'aime bien la castagne, moi. Tu connais Dimitri SMR? Oui, je le suis. Mais quel sportif ta chaîne va se renommer Aurélien Fitness? Waouh. Ah, question. Oui. Ça se voit pas. Oui, je sais, ça se voit pas. Oh. Mais attends que je me mette torse nu. Tout est caché avec des vêtements. Oui, Aurélien Miski. Aurélien Miski. On va Aurélien Miski et tout. J'ai bien aimé ta vidéo prof d'ASMR. Ouais, d'ailleurs, elle a été démonétisée, cette putain de vidéo. Elle a été démonétisée pendant les 1000 premières vues, hein, le truc où je pouvais gagner. Voilà, où elle pouvait être rentable la vidéo. Et au bout de 1000 vues, ah bah c'est bon, en fait, on peut la monétiser. Donc ça veut dire qu'elle m'a rapporté 2 centimes. Voilà, c'est génial. Bon, les autres vidéos ne me rapportent pas plus, pas beaucoup plus, mais putain, ça me fait chier quoi. Tu veux que je te donne les autres sauts? Je pourrais pas venir avant la fin des vacances. Non, pas torse nu. Non. Non, pas sur YouTube. Enfin, si, je peux sur YouTube, mais dans des cas extrêmes. Aurélien Shape, ouais. T'as déjà passé le. T'as déjà passé à tabac quelqu'un? T'as déjà passé à tabac? J'ai pas compris ta question. C'est quoi l'affiche derrière toi? C'est des affiches de films que j'ai récupérées. Là on a L'homme qui tua Don Quixote. Je l'ai pas vu. Là on a L'île aux chiens que j'ai vu. Ça y est, je l'ai vu. Et là on a Deadpool bleu que je n'ai pas vu encore. Mais c'est juste des affiches que je trouve stylées que j'ai chopées. À quand le retour d'un médecin taré? Bientôt peut-être. Mais où est ton poster Han Solo? Ah ouais, je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé parce que gâcher mon mur, j'avais l'impression. Mais je vais peut-être le remettre, mais sur un autre mur. Enfin, faut que je réorganise tout ça, mais j'ai pas envie. Pour l'instant, je l'enlève parce que j'ai envie d'un mur blanc. J'ai mes périodes comme ça. Je l'ai pas vu, lol. 1. Du coup, pour les sauts. Oui, peut-être. J'ai pas eu le temps de lire trop ton commentaire avant là. Je peux te les donner. Je pourrais pas venir avant la fin des vacances. Oui, bah pourquoi pas, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant. Han Solo Torino. Han Solo Torino. Un mélange entre Grand Torino et. Yo, yo, Isis ASMR. Je ne suis pas tes vidéos ASMR, mais peut-être qu'elles sont bien. McDo, Quick, KFC, c'est pas ton bail? Non, pas du tout. Tu me verras plus. Jamais tu me verras au McDo. Avant, oui, mais là,
Ça fait 2-3 ans que j'ai pas bouffé au McDo. Tu as un t-shirt Australopithèque? Ouais, alors je sais pas si je l'ai dans ma commode, je vais regarder. Non, il est au lavage là. Je l'ai pas encore lavé. Plutôt grande ta chambre. Eh ben non. Pardon, pas plutôt grande. Elle est toute petite en fait pour ce que je fais, pour les vidéos que je fais, tout ça c'est pas assez. Pas du tout. Je me fais chier à caser des. La caméra. Ma caméra dans mes vidéos, elle est sur mon bureau. C'est-à-dire que j'essaie de la caser, de la mettre. Ah, mon retour caméra, tu sais ce que c'est? Eh ben c'est un putain de miroir mon gars. Je peux même pas caser ma lampe. Merde. Bon, on la voit pas, mais je peux pas caser ma lampe, du coup je suis obligé de la mettre sur mon lit, machin, c'est trop galère. Ça paraît grand comme ça, mais en fait non. Salut. Salut Jérémy. En voyant la moitié de ton visage, j'ai l'impression de voir une vidéo de Maskey. Merde. Fais un room tour. Et vous voulez vraiment que je fasse un room tour? On va faire un room tour, les amis. On va faire un petit room tour. Alors. Ici, on a une casquette, on a mon petit piano, on a des sacs, juste ici. Sacs ceux qui servent de sport ou autre. Là, il faudrait que je fasse un room tour, hein, c'est merde, tiens. Là, on a une poubelle remplie. J'ai oublié de la vider. Un sac, un autre sac, un ampli pour ma guitare, une guitare. Alors, si vous voulez voir les affiches de plus près, eh bien voilà. Regardez, on a L'île aux chiens, tac, Deadpool 2, et on a la grande affiche de Don Quixote. Et là, on peut allumer les lumières. Hop là, ça c'est mieux comme ça, hein, n'est-ce pas? Là, on a. Ma softbox hein, qui tient à peine sur le pied, enfin bref, c'est un peu galère. Là, on a d'autres matos pour mes vidéos. On a une souris qui me sert à l'internat, un micro, enfin la boîte de mon micro. Là, on a rien, on a rien. Alors là, on a un autre sac, ça c'est mon sac de cours où je peux caser mon PC et tout dedans. Ça, c'est ma guitare que j'ai quand j'étais tout petit, mais j'en faisais pas encore, mais du coup, elle fonctionne donc je l'ai gardée. Là c'est mon lit, là c'est une fenêtre, tu vois. Je sais pas si vous avez déjà vu, je pense pas que vous l'avez vu cette partie de ma maison. Là au-dessus on a du bordel, donc on a des crayons, on a ma caméra. D'ailleurs j'aimerais bien en acheter une autre de caméra, mais pour ça faut que je récolte des fonds, et il va falloir que je me démerde. Un vinyle qui me sert pas parce que j'ai pas de lecteur vinyle, une guitare miniature. Un anti-pop que je vais sûrement vendre parce que maintenant j'ai ma bonnette qui fait son taf, donc je pense ça je vais le vendre. Des bouquins que je suis en train de lire avec voilà, j'ai beaucoup trop de bouquins en cours, du coup je me perds. Là mon micro ASMR que j'ai jeté tout à l'heure parce que ça fonctionnait pas sur mon PC. Là on a un câble et là on a en dessous de mon lit. Et en dessous de mon lit, bah, on a du noir. On a du noir. Là, du coup, c'est mon bureau. Hop. Donc, on a mon porte-monnaie, des lunettes, un couteau suisse qui me sert à ouvrir des colis et à me couper les ongles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en haut, ici, on a les boîtes. Ça, c'est la boîte de mon pied de micro. Ça, c'est la boîte de mon casque. Mon casque est assez pourri, on va pas se mentir. Un Triton Kunai de 2012-2013. Là, on a la boîte de mon micro. Du truc pour quand je suis enrhumé, mais
c'est là depuis 20 ans. Une tirelire avec des centimes dedans, c'est là où je fous toutes ma mitraille. Alors désolé, je peux pas lire les commentaires maintenant. Un briquet, super stylé, que j'ai trouvé. Ça, c'est stylé. Une tirelire les Simpsons. Un baume à lèvres, je ne sais pas ce qu'il fout là. Ça, c'est mon badge pour mon travail que j'avais cet été. Là, on a du bordel. Une figurine de Simpson. Un soldat, je ne sais pas d'où ça vient. Un Bob Razowski. Un R2-D2. Un feutre que j'ai dû voler dans mon collège il y a longtemps. Une smartwatch qui est nulle. Je sais pas si je vais peut-être la faire gagner à des abonnés, j'en sais rien. Une tirelire avec du liquide dedans, mais il n'y a plus rien. Un spinner. Yes. Une carte SD. Un truc pour nettoyer les lunettes. D'ailleurs, celui-là, il est super bien. Là, on a mon masque. Mon masque de... d'écureuil. Là, on a des livres. Donc, c'est des livres que j'ai pas encore lus, que j'avais trouvé dans une boîte à livres il y a super longtemps. Donc, je les ai toujours pas lus, mais je compte bien les lire. Un jour, peut-être. Quand j'aurai fini ceux de là-bas. Là. Là, on a de la merde. Un sticker, le temps des cerises. Je sais pas d'où ça vient. Un truc, bah, ça, c'est le CD du livre Ça avance. Bah, avance. Tac. Des feuilles doubles pour les cours. Là, c'est tout mon bordel de cours de l'année dernière. Putain, en fait, je découvre des trucs. Ça fait trop longtemps que je suis pas venu. Que j'ai pas regardé en dessous. Ça prend la poussière, hein, cette connerie. Pas terrible tout ça. Ouais, donc ça, c'est mes cours de l'année dernière. Je crois que je vais aller les jeter parce que bah, ça me sert plus à grand-chose en fait. Là, on a des pieds. Donc, des pieds pour. Ça, c'est pour le micro. Et à la base, c'était pour mon panneau LED. Là, on a un autre pied, c'est pour ma softbox. Mais sauf que, bah, c'est limite, c'est pas de la qualité de ouf. Et là, on a mon pied pour la caméra. Voilà. Bon, pied bonne facture, un trou à la déchette. Mais ça passe. Voilà pour ce qui est de ma chambre. Alors, on va retourner. Hop. Ton live est censé marcher, mais ça dé... mais il se déplace normal, oui. Je suis lecture S... Bonne nuit lecture ASMR. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais de la guitare et du piano? Ça fait 5 ans que je fais de la guitare et du piano, ça fait 3... ça doit faire 3-4 ans. Faudrait que tu nous fasses une petite démo avec ta guitare et ton piano. Ouais, dans un futur live. Mais là, il y a trop de gens qui dorment dans ma maison. J'écouterai le live en arrière-plan et j'entends là, on est. Là, on a des pieds. Ah, très bien, oui. Meuf parlant, ça doit être pratique, n'est-ce pas? Meufement parlant, quoi? Ouais. D'accord. Tu vis avec tes parents? Oui, bah j'ai 17 ans, je ne vis pas tout seul. Quand tu seras prêt, normal? Quoi? Oui. D'où viennent tes idées farfelues et originales dans tes vidéos? Bah c'est de l'impro en fait. C'est, j'allume la caméra, je mets le micro et je sais pas ce que je vais faire et puis hop, l'idée me vient d'un seul coup. D'où te viennent tes idées? Ouais non, ça je l'ai lu. Je vais peut-être arrêter le live hein, parce que là il commence à se faire tard, il est 22h10. Ouh là là, c'est d'heure d'aller se coucher. Wow. Non, je déconne, mais juste. Ouais, je vais me coucher parce que je suis fatigué en fait. Voilà, j'étais à la muscu aujourd'hui, j'ai un petit peu. Tu veux forcer là, du coup je suis crevé. Bah là, je n'ai plus qu'à te dire salut. Salut. Mets un petit like avant de partir et puis voilà. Salut!